de vous abonner, liker, commenter, partager. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Papa. Bonjour Zineb. Bonjour ma chérie. Alors, un langage tambourin, ça veut dire bonjour les copains et les copines. On espère que vous allez bien. Oui. On est là pour quoi aujourd'hui? On est là pour partir dans Little Life Pets. Alors, tu nous montres bien d'abord le Little Life Pets. Et voilà, donc c'est un petit hérisson. Fais voir. Donc, ce petit hérisson se met en boule. Comme et la dernière. Il roule. Je me roule en boule comme un vrai hérisson. Alors, je peux dire ce qu'il y a là. Attends, je montre juste derrière. Alors, je me roule en boule. Collectionnez tous. Je marche et je me roule en boule. Tout simplement. Donc, il y en a des blancs, bleus, verts, roses. Voilà. Ok. Donc, ça. Et tu ouvres quoi après? Tu ouvres quoi d'autre? Un Brapples. Tu nous montres un Brapples, pardon. Moi, j'ai dit un Brapples. Un Brapples, regarde. Little Life. Et ça se met au poignet. Little Life, regarde. La Little oui. Life est là. Little Life, oui. Live. Tout à fait, c'est de la même marque. Donc, et quand on les met ensemble, ils chantent. Et quand on les retourne, comme ceci, à l'envers, mais il va vous montrer, ils dorment, bien sûr, sur le bras. Tu veux commencer à ouvrir lequel, chérie? Little Life Pets. Un Little Life Pets. Le meilleur pour la fin. Alors, vas-y, chérie. On te laisse. Ah oui, alors, elle a carrément tout arraché. Okay. Ah oui, alors là, c'est du radical avec ça. Mais fais attention parce que tu sais pas comment ça fonctionne, donc fais attention à la notice. Voilà, elle a tout arraché. Alors, attends, hop, tout ça, on est derrière. Alors, tu nous montres déjà comment c'est. Joujou. Donc, c'est pour les plus de 5 ans. Alors, est-ce que tu y arrives ou pas? Non. Non. Bon. Est-ce que tu veux de l'aide ou pas? Oui. Oui. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non. Non. Je veux des ciseaux. Je veux l'aide des ciseaux. Bah, ça y est. Mais lui, j'ai... Alors, ton hérisson doit se reposer. Lorsque tu laisses ton hérisson tout seul, il finit toujours par s'assoupir. Pour le réveiller, appuie sur son nez ou éteins-le. Alors, il explore. Mais alors, est-ce qu'il y a des piles? Ah oui, il y a des piles. Donc, voilà. Alors, oh, regardez. Ok. Alors, oui, regardez. Attends. Regardez ma alors, ton hériston adore explorer le monde qui l'entoure. Place l'interrupteur sur on. Mets-le sur une table ou sur le sol. Alors, si ton hérisson se cogne le nez sur un obstacle, il fait demi-tour et changera de direction. Ton hérisson se roulera parfois en boule. Cela arrive notamment s'il rentre plusieurs fois dans un obstacle. Ah oui, ça y est, tu vois, il s'est mis en boule. Mais attends, on ne l'a pas vu, chérie. Attends, pose-le par terre. Attends, je vais refaire. J'ai en fait parce que j'ai touché serré. Yeah. Je touche serré. Pourquoi ça marche plus? Ça marche. Parce que je pense que c'est les piles qui commencent à... Ah voilà, ça y est, c'est mis en boule. Et là, et voilà. Alors, tu nous le montres de plus près, chérie. Alors, oh, il est tout. Ah, mais c'est tout doux en fait. Donc voilà, le petit hérisson avec les petites ronds. Et, voilà. Et il est où le bouton on/off? Ah oui, il est là derrière. Ouais, en fait, il est comme ça ou après. Voilà, il est là derrière. Mais là, pourtant, il est sur off. Ah oui, tu l'as arrêté. Ok. Alors, tu ouvres l'autre maintenant, chérie. Ouais, le vrai. Attends. Ça c'est vraiment tout simple. Donc voilà. Donc nous l'avons sorti. Alors, le temps que Zineb le sorte complètement. Je crois qu'en fait, il y a des trucs pour les. Il y a encore des trucs. Hein. Attends, là, je suis pas sûre. Je pense que c'est moi qui ai pas de force.
Ah, c'est dommage qu'on n'en ait pas deux. De quoi? De comme ça. Parce que quand on a deux et que tu les mets les uns en face des autres, et ben ils font... Ils interactivent. Oui. Ils chantent. Ils... C'est pas grave. Donc voilà, donc nous l'avons sorti de sa boîte. Donc attends, on va juste le montrer vite fait. On va juste le montrer vite fait. Regardez comme il est tout mignon. Regardez. Ouais, il est super doux. Attends. Tu vois les chats là. Regardez. Hop, regardez de toutes les couleurs. Alors Zineb va nous le dérouler et nous l'allumer. Oui. Alors comment on fait? Ouais. Comme ça. Parce que bien sûr, on peut le mettre. Au poignet. Attends. Ça, c'est des sortes de bracelets quand on tape. Voilà. Non. Attends. Il faut le faire au niveau de la tête. Voilà, c'est bon. Alors, d'abord, tu l'allumes. Donc, tu nous montres. Montre-nous comment tu fais, Zineb, s'il te plaît. Il y a du pelage. Et en fait, c'est un scratch. On l'ouvre. Qu'on doit Donc, tirer. Attends. Donc là, regardez. Donc là, il y a un petit bouton que l'on va allumer. Et voilà, là on va refermer et regardez, oh il a changé de couleur, il a ses yeux, regardez. Voir. Orange, ils sont devenus, tout à l'heure ils étaient devenus verts ses yeux. Oh il est trop léger. Alors on va lire, attends. J'ai envie de le mettre à mon poignet. Bah vas-y, montre-nous comment tu fais pour le mettre à ton poignet. Ok. Vas-y. Alors c'est comme les bras, ah, c'est t'as vu. Et voilà, ah, attends, voilà, regardez. Ouais. Imagine, rapproche-toi. Ah, les yeux sont rouges. Imagine, oh, ah oui, vous, je sais pas si vous pouvez voir, mais ses yeux, en fait, sont rouges. Regardez. Ils sont vraiment rouges, ses yeux. Ah oui. Ah oui. C'est rouge. D'accord. Alors, maman, quand ses yeux... Qui va à l'école avec ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand les yeux changent de couleur? Ah, il parle. Alors, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Alors, tu peux le caresser sur la tête. Qu'est-ce qu'il fait quand tu le caresses? Il devient de d'autres couleurs. Ah, fais voir. Attends. Regarde. Il rigole et hop, il change parce que de la couleur. Zine ne veut pas bouger, donc c'est à moi de venir. Regardez, ses yeux changent de couleur. Regardez. Écoute, attends, attends. Il chante trop bien. Il chante, il est content. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors bouge. Alors maintenant, bouge ton bras. Bouge le bras. Oh, oh, non, comme ça, de haut en bas. Oh, 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 oh. Comme ça. Oh, 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 oh. Ah, regarde, il n'est pas... Il n'aime pas. Il n'aime pas du tout. Il a le vertige. Alors, attends, une petite secousse. Oh. Nous aimons nous amuser. Secoue-moi et je suis pris de vertige. Mais ne le fais pas trop souvent. Car si tu me secoues trop, je pourrais devenir grincheux. Alors, quand tu le caresses, nous aimons être aimés. Caresse-moi doucement le dessus de la tête. Mes yeux clignotent et je me mets à ronronner de bonheur. Plus tu me caresses, plus je suis heureux. Si tu continues à me caresser, je finis par, par chanter du rap. Du rap. Du rap. C'est ça qui chantait, je t'assure, hein. Oui. Bah montre-nous, hein. Montre-nous. Ah, ah oui, ses yeux ont changé de couleur, oui, effectivement. Mais attends, alors peut-être que si tu l'enlevais de ton poignet, parce que là on ne voit absolument rien. Ah. Ça c'est du rap, ça? C'est tout de la poupée. Alors, les yeux verts, il est heureux. Ah, là, il est les yeux jaunes, il est calme. Les yeux orange, il est quoi? Il est... Là, il était orange. Il est anxieux. Ah, j'arrivais pas à lire. Et les yeux rouges, il est grincheux. Oui, il est pas content. Ah là, il est content. J'ai essayé de laisser rouge. Les yeux verts. Les yeux verts. Alors, est-ce que tu peux l'enlever de ton poignet? Et tu sais que tu peux le mettre aussi à l'envers. Oui, je sais. Si tu le retournes. Non, mais mets-le sur ton poignet à l'envers. Il est quoi quand on le met à l'envers? Ah ben oui, il dort. Regardez. Quoi? Attends. Je peux m'endormir de deux manières.
Il voilà. a baillé, là, je crois. Ça y est, là, il dort. Non, non, regarde, il est éteint. Tu vois, là, attends, il est éteint. J'ai envie de voir ce que ça fait après quand on le retourne. Bah, vas-y, il va se réveiller. Non, alors là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être lui caresser la tête. Laisse-moi tranquille. Il a écrit, laisse-moi tranquille. Ben, pendant un petit bout de temps. Oh non, mon petit ange. Mais après quelques minutes, je bâillerai et je m'endormirai. Dans les deux cas, mes yeux s'éteindront, ce qui veut dire que je dors. Allez, petit coco, faut se réveiller. Là, c'est bon, là, c'est ce de 30 secondes, elle est finie. Voilà. Allez, t'as été 30 secondes de... Alors, comment on fait maintenant pour le réveiller? Allez, mon petit... Donc, il y a écrit que tu peux le rallumer en appuyant sur le bouton derrière son oreille ou alors tu le réteins et tu le rallumes. Tout simplement. Donc, apparemment, il doit y avoir un petit bouton quelque part au niveau de son oreille. Voilà. Je l'ai trouvé. Ah, ici. Non. Non, ici. Juste là. Regarde. Hop. Attends. Là, ici. Appuie. Voilà. Ouais. Tu vois? Tu peux voir? Regarde-moi. Et voilà. Alors, est-ce que tu peux l'enlever de ton poignet, chérie? Attends, je vais essayer de l'accrocher quelque part. Non, mais déjà, remontre-le-nous bien, déjà. J'arrive même plus à l'enlever. Voilà. Tu vois? Alors, regarde. Moi, je le trouve trop mignon. Franchement, bah, dites-nous ce que vous en pensez. Il faudrait qu'on en achète un deuxième et on vous referait une vidéo avec les deux ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait sympa, hein? Moi, franchement, j'aimerais bien. Attends, je vais vous montrer où j'ai accroché. Ah, c'est trop mignon. Moi, je suis en train de... Franchement, en plus, c'est les toutous. Mais surtout la fin, parce que... Ouais. Tiens, tu le prends. Donc, voilà. Bah, attends. Donc, nous espérons que cette... Ah, tu veux l'accrocher où? Là. Ici? D'accord. Donc, voilà. Voilà. Donc, Zineb a trouvé sa place. Elle va le mettre ici. Donc, bah écoute, alors Zineb, tiens, tu reprends ton petit jouet, ouais. Voilà, les deux ensemble. Donc, nous espérons que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager et activer la petite cloche de notification. Et on se dit à très bientôt. Ciao! Ciao!